Je suis Rochelaise depuis 25 ans, j'habite dans l'île depuis 2 ans et j'ai mon activité d'hypnose masseuse depuis 2 ans sur Sainte-Marie-de-Ré et arrive tout. Et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne créerais pas un groupe Facebook? Et je l'ai appelé Apéro Entrepreneur de l'île de Ré. Et là, paf, presque 300 personnes qui disent ok, qui adhèrent en fait à mon idée. Donc super chouette. Donc dès le mois de décembre, j'ai mis en place des apéros. Donc là, c'était le mardi soir. Donc le principe, c'est quoi? Donc un bar différent tous les mois. Donc pour que ce soit de Rivedoux jusqu'au bout de l'île, donc tous les mois ça va changer pour que ce soit étiquetable pour tout le monde en fait. Et puis un lieu différent, parce que c'est chouette de rencontrer des nouveaux lieux. Du coup, donc le principe, c'est quoi? On arrive à 18h30, on boit un coup, on arrive tranquillement. À 19h jusqu'à 21h, j'ai préparé... donc vous êtes par deux, c'est des petits speed dating. Donc là, vous vous présentez, vous êtes deux, donc vous avez 2-3 minutes chacun. Vous donnez votre carte, vous donnez ce que vous avez envie, vous vous rencontrez. Et après, à la petite cloche, quand je dis bah stop, on change. Et du coup, on fait ça jusqu'à 9h. Voilà, donc on va peut-être augmenter un petit peu le temps jusqu'à 21h30 parce qu'il y a certaines personnes qui débouchent plus tard et qui aimeraient bien venir. Ce que j'ai instauré, donc les personnes qui sont présentes marquent leur nom au début sur un petit papier. À la fin, je tire au sort 4 personnes qui correspondent à 4 semaines. Un portrait par semaine du mois en cours pour faire sa pub. Voilà, tout simplement. Sur Facebook. Sur Facebook, sur Apéro Entrepreneur. Voilà, et donc à chaque fois, c'est vraiment... c'est un peu surnaturel, c'est un peu une surprise. En fait, les gens, on dirait qu'ils se connaissent depuis longtemps, même s'ils ne se connaissent pas. C'est dans la bienveillance, il y a tous les secteurs d'activité. C'est... Enfin, moi, ça me remplit de joie, j'adore faire ça, je trouve ça superbe. Et j'ai l'impression que ça va prendre de l'ampleur. Le prochain apéro, c'est le jeudi 17 février à l'Insolite, qui est un resto à Saint-Martin, à côté de l'église. Apparemment, qui peut contenir une grande capacité, donc venez nous rencontrer, vous rencontrer les rétés, rétaises du coin, quoi.